Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue à bord du California. California d'Emeric, qui m'envoie une boule, qui m'aura envoyé deux batailles. Voilà, il est content, Clemson. Alors, très vite, le California a bien sûr existé. Je vais vous mettre quelques photos de lui tout de suite. Je vérifie. Voilà, je sais. Donc le California a existé. Il a été, comment dirais-je, il était à Pearl Harbor. Il a encaissé. D'ailleurs, il y a une histoire de l'attaque de Pearl Harbor qui intéresse directement le California, puisque il a pris deux bombes de torpilles. Alors tous les cuirassés à Pearl Harbor, tous les cuirassés américains étaient en couple, excepté le California qui était en tête d'escadre. Enfin, il était amarré, hein, mais en tête, seul. Et lui, il va donc prendre deux torpilles, deux bombes. Il va donc dangereusement pencher pour avoir une dangereuse gîte. L'équipage qui va se bagarrer pour lutter contre les incendies, finalement, sera à l'ordre d'évacuer le navire qui menace vraiment de chavirer. Il y a eu 105 morts à bord de ce navire. On va le laisser couler après avoir vu, soi-disant, il y a un plongeur qui dit qu'il aura vu un trou gros comme une maison. Donc on va le laisser couler droit. Il y a très peu de fond à Pearl Harbor et on espère pouvoir le renflouer. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais les dégâts sont tels qu'il va rester. Il sera retapé, mais il va rester 25 mois immobilisé. Et voilà, boum, une citadelle, ce Nuremberg. Il va rester donc 25 mois, il ressortira en fin 44 du port de Radoub. Et donc il participera assez peu à la guerre. Il sera définitivement retiré des cadres en 45-46. Donc voilà, Pearl Harbor a été un petit peu son champ du cygne. C'est un classe Tennessee, c'est-à-dire que c'est un cuirassé qui arrive, c'est le chaînon manquant entre le Colorado et le North Carolina. D'ailleurs au niveau de la forme, on voit très bien qu'il a une parenté quelque peu avec le Colorado, mais surtout aussi il commence à avoir des tourelles un petit peu plates, aplaties, un peu comme on verra plus tard avec le Norska. Pardon. Donc, Emeric est en bataille domination sur la map voisin. Il a décidé de maltraiter le Nuremberg. Faut dire que le Nuremberg, visiblement, n'a pas compris qu'il fallait qu'il se... Avec, quand on a pris une ou deux citadelles, il vaut mieux que se calmer 5 minutes, se faire oublier. Et là, ça risque de faire chaud si on le touche. Boum, non, il a bouncé. Il a bouncé sur Nuremberg qui était un petit peu loin. Donc maintenant, effectivement, il va se rabattre sur un adversaire un tout petit peu plus proche. Le char Norse me paraît une excellente cible. Il n'a pas l'air d'avancer beaucoup. D'ailleurs, vous avez vu comment il a balayé un petit peu à chacun pour être sûr de toucher. Et d'ailleurs, voilà, c'est joli, c'est bien tiré, 5000, 2000, 7000 points. Bon, c'est peut-être l'attentat qui lui a mis une praline chauffante. L'attentat B qui prend tous les risques. Et il sort de nulle part celui-là, mais je sais pas ce qu'il va faire. Il est en face à un York, un Dallas. Oui, c'est un peu du grand n'importe quoi, cet attentat. Il ne se fait pas dépoper par la... Mais par contre, il se fait dépoper par le Norska. Voilà. Ça, tout simplement. 29 000. L'Atlanta a fait du grand n'importe quoi. Et je pense que les rouges peuvent être furieux. Ils peuvent être vraiment furieux de leurs coéquipiers. Il y en a qui ont le report facile. Mais là, je crois que, en l'occurrence, ça me paraît tout à fait approprié. Donc, le Normandie qui s'enfuit parce qu'il sait très bien que le York a des torpilles.
et qui peut faire très mal. Et je pense que anglais, même anglais comme il est, risque, voilà, Yémin prend un 7000 puis un 6000. Donc voilà, c'est 13, 14000 quoi. C'est une sable à 14000 que le Californien lui a mis. Il est redoutable, le Californien, il est très précis. Il fait partie des navires. Je vais regarder un truc. Non, c'est un premium celui-là, le Californien. Il me semble. C'est un premium. Fait pas partie, c'est pas lui qui fait partie de la de l'arbre technologique alternatif des cuirassés américains. Il est super citadelle sur un Duke of York. Magnifique. En plus, il capture. Et allez, donc. Et ben voilà, c'est une bonne bataille. Là, on peut vraiment dire que il a fait du bon boulot. Le Normandie qui a fait du grand n'importe quoi et qui s'est enfui, mais qui s'est complètement isolé, maintenant va être obligé de partir en prenant des angles épouvantables, mais en étant sous le feu du York qui est devant et du Californien qui risque de se faire encore un peu plaisir. Kemmerich, c'est le genre de tir qu'il affectionne. Voilà, un petit 5000 de plus. Normandie qui perd beaucoup, beaucoup. Il a fait combien? C'était 13000 tout à l'heure. Il a perdu 18000 en deux salles face au Californien. Et le Californien ne s'est servi que des tourelles avant pour la deuxième salle. Les tourelles arrière sont assez lentes. Et les vols voilà qui arrivent. Là, il commence à prendre un peu de dégâts. Je veux dire qu'il n'a pas éteint son incendie. Preuve que c'est un joueur de métier. Emmerich. Voilà, il prend un petit peu cher. Mais il a mis une citadelle au Normandie. Voilà. Ça, il faut le faire. Nuremberg. C'est soit le Nuremberg de. Oui, oui, il s'est pas fait sortir. C'est le Nuremberg là, qui est en train de revenir et qui commence à distribuer les incendies. Ça, c'est pas cool. Il va falloir le calmer. Et oui, il insiste. Il arrive à tirer par celui-là. S'il va réussir à le dépoper. Ouais, il attend. Non. Il n'a pas eu la patience d'attendre que les quatre tourelles soient alignées. Mais pour l'instant, les rouges ont bien récupéré la situation. Ils ont deux caps quand même. Et là, 4 minutes de plus. Voilà, il y a le Duke of York et le Nuremberg. Alors le Duke of York, je suppose que le joueur en Duke of York, je vois jouer son Duc à 10 km et à la HE. Je vais regarder ça, on va voir quand il va le retirer. Et bon, pas beaucoup d'imagination. Les joueurs anglais, à cette distance, des beaux cuirassés anglais, jouez-les à la paix. C'est, la paix anglaise est excellentissime. Et il faut arrêter avec les HE. Boum, 7000. Et puis vous mettez vous pas Broadside, ça sert à rien. Le Duke of York, l'apprécie guère. Le Nuremberg qui a été calmé, hein, il prend peu de risques maintenant. Et c'est vrai que, vous voyez, Emmerich demande à ce qu'on s'en occupe. C'est comme un poison, et il distribue les... Et là, bien sûr que Emmerich voudrait bien sortir en race. Nouvelle citadelle sur le Duc. Il en est quand même à 5 citadelles. Faudrait vraiment sortir le Nuremberg une bonne fois pour toutes. Belle chose possible. Ouais, il y en a un qui lui a mis une châtaigne au Nuremberg, c'est pas mal. Oui. Ouais, ça se tente. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Le Normandie est vindicatif. Il y a quand même pas mal de bateaux. Voilà, Nuremberg est sorti par le Zara. Il y a pas mal de bateaux rouges qui sont très abîmés. Hein. Il y avait le Nuremberg, il y a le Charlotte, il y a le Duc, il y a le... Non, il y a le Normandie, le Duc. Le Charlotte aussi est un petit peu abîmé. Pour l'instant, les navires rouges sont, qui avaient l'avantage viennent de perdre un nouveau navire. Et je pense que la situation pourrait tourner à l'avantage des Verts, enfin d'équipe d'Emmerich. Le Charlotte se précipite vers le Warspite. Je pense qu'il a envie de torpiller le Warspite. Est-ce que, oui, je pense que Emmerich, voilà, il torpille le Warfight. Et le Warfight se fait sortir à la torpille par le Charmost. 6700.
Ils sont à 3-3 maintenant. Ça, c'était difficilement évitable par le Warspite. Hein. Très lent par rapport au Charlance qui est plus un croiseur de bataille. Le Warspite est un authentique cuirassé de classe Queen Elizabeth. Et c'est pas du tout le même monde. Charlance est beaucoup plus rapide. Mais en plus, il a des torpilles. Là, je crois que le Normandie va enfin pouvoir rentrer chez lui manger un morceau. Voilà. Ouais, il peut rentrer avec la satisfaction du devoir accompli. On a quand même un petit 131 000 hein, pour l'ami Émeric. Enfin, je vous dis que c'est un bon joueur. Voilà, là le duc va se. De chez Charmant. Ah non, c'est Charmant. Qui va se prendre très cher parce qu'il est de flanc. Boum. Non, 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 non. Un petit 2000. Le duc, par contre, aurait mérité hein, peut-être toute ton attention, Émeric. Mais c'est vrai que bon. Et par contre, oui, voilà. Le duc est à la HE. The ship is on fire. Alors vous allez me dire, oui, mais il met des incendies. Oui, il met des incendies, mais il aurait été à la paix. Il pouvait faire très mal au Californien, beaucoup plus mal. Alors, 3-2, mais c'est le seul cuirassé et les deux survivants sont des croiseurs de bataille. Enfin, oui, donc il y a un croiseur de bataille et un cuirassé léger, un cuirassé rapide. Le duc, classe de. C'est le classe de King George. C'est un cuirassé extrêmement rapide, moderne. Un de mes navires préférés, d'ailleurs. Voilà, encore une cita. Il en est à 6 citadelles sur des cuirassés. Je crois que la seule cita qu'il a mis sur un croiseur, c'était son premier shoot avec son Nuremberg, sur le Nuremberg. Tout le reste a été mis sur le Duc et le Charnost. Et le Normandie, si, il y avait le Normandie. Là, il va le sortir. Globalement, il est en train de se ruiner le Duke of York. Voilà. Il a très bien tiré, très légèrement au-dessus de la surface de l'eau. Et en 4000, 5000. Il est à 157 000. Et c'est une bataille de fous furieux. Parce qu'il n'y a que 80 points d'écart. Je veux dire que depuis peu. Les Verts ont récupéré. Le Charlance a sorti le Zara. Ils sont plus qu'à 2 contre 2, mais à 2 cuirassés contre un cuirassé et un destroyer. Le destroyer, c'est l'Atsuharu. L'Atsuharu qui tient. Alors, apparemment, Emmerich demande l'aide de l'Atsuharu, mais l'Atsuharu est parti capé C. Il est parti capé C et du coup, le Charlance est parti à sa rencontre. Essayer d'intercepter. Voilà, il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte le duc. Et là, il n'est pas vu, c'est juste. Il reste très peu de vie, il faut qu'il se méfie. Ah, il faut qu'il le sorte. Il n'y a pas d'homme. Il faut qu'il arrive à le sortir. S'il arrive à le sortir, c'est tout bon. Oh, non. Mais il lui reste que 0% de vie. Et il y remet un incendie. The ship is on fire. Our victory is in sight. Ouais, il essaie de s'en aller, le duc. Il sait qu'il a. Il est très très mal. Voilà. Émeric devrait s'en tirer. Voilà. Et le Charmorst n'est pas rentré dans C, il était à la poursuite de l'Atsuharu, mais il se méfie parce que l'Atsuharu est bien planqué. Du coup, ah, il essaie de torpiller l'Atsuharu, ben pourquoi pas. Du coup, eh ben oui, il a réussi. Hein. Ils sont à 1 contre 1 maintenant. Le Charmorst joue bien le coup. Hein. Il joue vraiment très bien le coup. Par contre, il vient de se prendre une torpille et voilà. Émeric devrait le finir. Scrunch, pas Scrunch, enfin pas un petit Scrunch. Battle ends in 5 minutes.
Battlelands in 5 minutes. Mais il reste très peu de vie, hein. Il reste 4500 points de vie à Emmerich. Alors le char nord s'est parti se planquer derrière l'île. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il est à 160 000, ils ont les trois caps. Il reste 4 minutes 36 de partie. Le char nord doit absolument tenter quelque chose s'ils veulent remporter la victoire. Et le voilà, il tente quelque chose. C'est une grosse erreur, il a dû se bitcher. Et voilà, fin de la game. Fin de la game. 160 000 points d'XP, de dégâts. Colossale partie, mais non, il n'y a pas de... 7900 points en XP, 1585 en XP libre. C'est du très très beau... C'est une très très belle... une fiche qui rend là, une très belle carte, 4 kills. Donc il se sera, on va l'arranger dans l'ordre des 4 as californiens, j'en ai pas si souvent que ça. 6 citadelles, il est même pas premier pour 22 petits points, il est second derrière le Zara. 22 petits points, il a capturé, il a défendu, il a fait 6 citadelles, 4 détruits et il n'est pas premier. Et pourtant il a fait une partie de malade. Il faut quand même féliciter Zara. Hein. Il a parcouru que 41 km, mais c'est un navire assez lent, le Californien. Il a tanké pour 1,2 million, ça c'est beaucoup pour un cuirassé. 160 000 de dégâts avec sa batterie principale. En gros, grosso modo, il a mis, on va dire, un obus sur 4. À la HE, ses secondaires n'ont fait qu'un tout petit peu de dégâts, c'est dérisoire. En ce qui concerne l'XP du commandant, il a pris 9900. On a vu une bonne partie, j'aurais presque tendance à vous dire. Hein. Voilà comment on joue Californien, donc on pourrait mettre le mode d'emploi, en mode d'emploi. Mais je préfère le mettre en mode 4 as, il y a longtemps que je n'ai pas sorti des 4 as. Donc Californien 4 as, voilà comment on joue le Californien. Ça demande aussi, malgré tout, un minimum de talent, même si les cuirassés américains sont très précis, il faut quand même savoir se servir de ces canons. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de préférence, vert si vous êtes daltonien, et un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très vite, si vous le voulez bien.